toc, toc. Bonjour, lieutenant Patterson. Heureux de vous voir ici ce matin. Qu'est-ce que tu veux, les tourneaux? Je voulais vous dire bonjour. Bon matin. Je vous ai préparé un bon petit café. Il est donc bien laid, le chandail rouge que t'as dans le cou. Ah, merci. Merci beaucoup, lieutenant. Écoute bien chose. J'ai pas le temps de niaiser un matin avec tes histoires d'augmentation de salaire. Je suis pas venu ici pour ça. Je suis plutôt venu vous voir pour m'excuser d'avoir fait une brassée de blanc avec les numéros de téléphone de la mafia châteauguaise. Une chance que Rocky a une bonne mémoire puis qu'il a mémorisé tout avant, hein? Il est la seule personne au monde qui peut nous aider à résoudre cette histoire-là. J'ai une rencontre importante à la SQ tantôt avec lui. Oui, je comprends, lieutenant, je comprends. Amène-moi donc mon café au lieu de rester jamais là. Ah, tout de suite, tout de suite. Oh! Mon esti. Je suis vraiment désolé, M. Patterson. Sincèrement désolé. Décolle! Je suis plus capable de te sentir. Monsieur Patterson, veuillez agréer mes plus sincères condoléances. Je vous aime, Monsieur Patterson. Hey, Jacqueline! Patterson! All right! All right! C'est tu veux, toi? Hey, Rocky! Hey, comment ça va? Allez! Tapez-moi dans les mains, Rocky! Hein? Qu'est-ce que vous faites, le patron? Hey, regardez, Patterson! Je suis cool, moi aussi! Hey, Rocky, qu'est-ce que... Rocky! Dis cabochon! Il a perdu la mémoire, là! Il se souvient plus des numéros de la mafia. Je suis vraiment désolé, M. Patterson. Prendriez-vous un petit café? Il est frais fait. Veux-tu mon poing sur la gueule à la place? Pas de disposition. Décolle! Rocky, ma main, combien de doigts? Adrien! Encore une fois, combien de doigts? Adrien! Encore une fois. Combien de doigts? Deux.